Bonjour tout le monde! Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de demandes pour que je fasse une vidéo sur comment réussir son premier pistol squat. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les progressions que j'ai moi-même utilisées pour pouvoir réussir ce mouvement. Avant de commencer à voir les progressions, tu devrais d'abord vérifier si tu es capable de rester en position de squat. Si c'est une position qui est inconfortable pour toi et que tu bascules vers l'arrière, que tes talons ne touchent même pas au sol, je te conseille d'abord de travailler la mobilité de tes chevilles et de tes hanches. Autre point important, durant toutes les progressions, assure-toi que ton genou soit toujours bien aligné avec ton pied. Ne le laisse pas aller vers l'intérieur. L'important, c'est qu'il soit aligné avec le milieu de ton pied ou vers l'extérieur. Voici le premier niveau. Trouve-toi une chaise ou même quelque chose de plus élevé pour commencer. Le but ici est de se familiariser avec le mouvement, parce que le pistol squat ne demande pas seulement de la force, mais aussi beaucoup d'équilibre. Essaye de toujours contrôler ta descente quand tu viens t'asseoir. Ne te laisse surtout pas tomber vers l'arrière. Quand tu auras de la facilité avec la hauteur de la chaise ou de l'objet que tu auras choisi, tu as juste à réduire la hauteur pour descendre encore plus bas. Voici ce que je te conseille de réussir avant de passer à l'autre niveau. Le prochain niveau va avoir trois exercices. Le premier consiste à exécuter seulement la partie excentrique du mouvement, donc la descente. Trouve-toi un banc ou un objet stable et élevé et place-toi sur le côté pour que ton autre jambe puisse être dans le vide. Descends en contrôle et garde la même vitesse du début jusqu'à la fin. Ne change pas le rythme en plein milieu du mouvement. Pour cet exercice, plus que tu progresses, plus que tu rajouteras des secondes à ta descente. Le deuxième exercice est le step-up, mais avec ton autre jambe sur le côté. Maintenant que tu as travaillé le mouvement au complet dans sa descente, tu vas venir travailler la partie concentrique aussi, donc la montée. Pour cet exercice, tu vas pouvoir rajouter de la hauteur à l'objet que tu as choisi pour progresser, ou sinon, tu peux aussi venir positionner ta jambe sur le côté plus en avant pour ajouter de la difficulté. Donc, au lieu de venir toucher le sol à la verticale, viens toucher un point qui est un peu plus loin vers l'avant. Le troisième exercice est pour une partie qui est souvent oubliée. Cet exercice va te permettre de faciliter le fait de devoir garder ta jambe bien élevée quand tu es en bas du mouvement. Il va donc renforcer tes fléchisseurs de la hanche. Pour l'exécution du mouvement, tâche de bien contracter ta jambe et de la garder bien droite durant tes montées. Tu peux aussi rajouter des petites pauses en haut du mouvement pour ajouter de la difficulté. Voici ton programme pour le deuxième niveau. Si tu suis ces étapes et que tu fais ce programme deux fois par semaine, tu vas avoir le pistol squat très rapidement. Si tu es rendu au troisième niveau, ça veut dire que tu es très proche d'avoir ta première répétition. Pour cette progression, tu vas avoir besoin d'un petit poids d'environ 5 à 10 livres maximum. Ce poids va te permettre de faciliter le mouvement en faisant un contrepoids. Ça va t'aider si tu as tendance à basculer vers l'arrière quand tu arrives en bas du mouvement. Assure-toi de lever tes bras vers l'avant avec le poids entre tes mains. Et voilà mes recommandations pour le troisième niveau. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de peser sur le bouton « J'aime ». Et si tu réussis ta première répétition de pistol squat, ne te gêne surtout pas pour me contacter pour me partager ta réussite.